Et salut tout le monde, c'est NEO77 Tester pour aujourd'hui. Donc une vidéo achat du mois. Donc j'en avais déjà fait une euh, avec donc un accessoire GameCube. Donc là c'était la manette White Pearl. Euh, un jeu neuf euh, de combat. Donc King of Fighters Maximum Impact 2. Neuf sous blister avec bien liseré PlayStation 2. Et un jeu d'occasion que j'avais acheté très peu cher à euros. Donc euh, ça valait vraiment le coup euh, d'occasion mais... En assez bonne... enfin, en bon état, non, on peut le dire quand même, hein. c'était Devil May Cry 3 Special édition. Et là voilà, aujourd'hui je refais une vidéo achat du mois, donc avec deux petites, enfin une pièce, enfin non, les trois sont intéressantes, peut-être une plus que les autres, euh... mais euh, voilà, ce sont des pièces, des jeux auxquels j'aurais souhaité jouer euh, à une certaine époque, auxquels je n'ai pas pu. Et là, je vais, franchement, je pense que je vais m'y remettre. Euh... Donc on va commencer par le premier jeu, qui n'est autre que. Donc, Zelda Ocarina of Time 3D, euh, enfin, 3D, donc sur la Nintendo 3DS. Voilà, donc je l'ai eu, alors je sais, oui, si normalement il est complet, hein, vous me direz dans l'espace commentaire s'il est complet. Là, a priori, il y a bien le mode d'emploi. Euh, on va quand même défaire tout ça. Donc, on a le mode d'emploi, euh, on a le petit, euh, comment dire, le truc information, euh, information importante, gagne, 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 voilà, et nous avons euh, un petit fascicule de publicité. Voilà, donc s'il manque peut-être, donc je ne sais pas s'il doit y avoir normalement une carte VIP n'y est pas mais bon après ça le plus important c'est quand même d'avoir le mode d'emploi pour moi un peu le reste un petit peu les notices bon la carte VIP, c'est important aussi mais bon là elle n'y est pas peut-être que je la chercherai si jamais un jour j'en trouve une à 2-3 euros pour compléter la boîte je le ferai mais voilà le plus important c'est que la boîte est en excellent état euh, cette boîte je l'ai trouvée donc sur le bon coin ouais c'est ça euh, un truc qui m'a euh, grandement étonné c'est que là on voit quand même que la boîte enfin la boîte est en bon état euh, quand par contre je l'ai vu sur euh, le bon coin euh, la photo était un peu euh, floue et la boîte semblait très 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 jaune. Euh, voilà, je crois que je l'ai acheté à 15 euros. Ouais, 15 ou 20 euros. Ouais, l'un des deux, ça fait un petit moment déjà. Hein. Là, euh, j'ai reçu plusieurs choses, mais j'essaie d'en faire un petit peu au fur et à mesure. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que des fois, ne vous fiez pas à la photo. Autant des fois qu'on voyait une boîte blanche. Euh, vous, vous trouvez avec une boîte un peu jaunie, et autant des fois quand vous trouvez que la boîte est un peu jaunie, bah, vous vous trouvez avec une boîte en fait qui est vraiment en bon état et blanche. Donc là j'ai pas trop compris. Donc n'hésitez pas des fois à demander aux vendeurs, que ce soit le bon coin ou eBay, euh, de vous envoyer des photos supplémentaires. Euh, moi ça m'est déjà arrivé qu'on me dise non. Donc euh, j'ai répondu clairement, bah écoutez, hein, je vais voir ailleurs et puis voilà. Il euh, Faut savoir que des fois euh, ouais, les vendeurs euh, ne mettent une photo, en fait, une photo comme ça. Des fois, il y en a qui n'ont pas envie de se casser la nénette à ouvrir la boîte ou faire une photo de l'arrière. Faites attention aussi aux vendeurs qui vendent des jeux, en fait, Ou devant vous avez bien le Peggy 12, Nintendo, pardon, j'ai fait bouger la caméra, le Peggy 12, et donc euh, ici Nintendo, etc. Vous voyez bien The Legend of Zelda, etc. Mais il faut savoir que derrière, des fois, c'est en anglais, ou en italien, ou en espagnol, je ne sais plus. Euh, le Peggy américain est différent, hein. euh, voilà, ici, euh, là, ça représente vraiment. Euh, Enfin, c'est celui qui est pour l'Europe, on va dire, mais c'est pas parce que c'est celui qui est pour l'Europe que derrière, franchement, vous... Enfin, que derrière, vous aurez une comment dire, la version de la boîte en français intégral. Euh, autre chose à préciser, c'est que sur les cartouches de D... alors, de 3DS, je vais réussir à l'enlever, voilà. Euh, les cartouches de DS, je ne sais pas si c'est pareil, mais il me semble que oui. Euh, quand vous achetez un jeu pâle français, en fait... Ici, vous n'aurez pas FR, mais vous aurez Euros. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sont en PAL multi, c'est-à-dire que c'est du multilingue. Donc la plupart du temps, vous avez français, anglais, ou français, ouais, si, français, anglais quand même des fois. Et vous avez, enfin, avec euh, italien, espagnol, ou néerlandais, allemand, enfin voilà, euh, vous avez un pack de langues différentes. Tout dépend après la langue que vous avez configurée sur votre Nintendo 3DS. Voilà. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, très content de cet achat. Voilà, donc euh, j'espère par la suite pouvoir trouver une Nintendo 64 en boîte euh, en bon état. Et pas à des prix exorbitants comme je vois sur net, même si l'objet est rare et que c'est une console qui est recherchée, comme la Super Nintendo que j'ai. Voilà. Donc la Nintendo 64 est une console que j'aimerais bien avoir. Je pense que d'ici quelques quelques mois, je pense que euh, ouais, je, me, je me lâcherai pour la prendre. Mais là, je ne l'ai pas encore. Voilà. Euh, c'est euh, j'aimerais bien laisser en fait ce jeu là en fait sur la Nintendo 64. J'avais un copain à moi qui l'avait. J'avais un petit peu joué, j'avais trouvé ça bien. Le seul truc que j'avais pas apprécié en fait, c'était la manette de la Nintendo 64. Je trouvais que c'était pas très très pratique. Le, enfin ouais, bon, ça c'est comme qui dirait les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Euh, on va passer au suivant. Donc là, alors, euh, on va rester sur, ben, de toute façon, les trois, les trois que je vais vous présenter, c'est des jeux Nintendo, hein, de toute façon. Euh, un jeu que j'ai réussi à trouver encore une fois neuf. Donc là c'est un peu plus... Euh, voilà. Donc c'est le Golden Sun Obscure Horror. Voilà. Alors ça c'est un euh, jeu auquel je n'ai jamais joué. Par contre j'ai fait euh, les deux Golden Sun sur euh, la Game Boy Advance. Euh, que malheureusement j'avais vendu les deux Game Boy Advance que j'avais en boîte. Je les ai vendus à une certaine époque. La plus grosse bêtise comme ma Super Nintendo. Enfin bon bref voilà. Avec des jeux en boîte en bon état etc. Euh, donc j'ai un peu les boules maintenant mais je me dis que c'est pas grave. Je retrouverai ça au fur et à mesure. Euh, avec ou sans boîte, après pour l'instant peu m'importe, vu le prix des jeux sur Game Boy Advance euh, en boîte c'est un peu exorbitant aussi. Donc tant que j'ai le jeu, au moins avec limite la notice, après euh, je commanderai des boîtes en plastique pour les ranger, comme les fameuses boîtes en plastique pour les jeux euh, Super Nintendo que je vous ai présenté il y a déjà quelques, quelques semaines ou voire quelques mois, qui sont très très pratiques et qui je trouve justement euh, plus pratiques que des, des boîtes en carton qui s'abîment avec le temps. Alors que les boîtes en plastique comme Sega, justement, même si elles s'abîment avec le temps, c'est quand même plus proté Enfin, les cartouches sont mieux protégées quand même. Donc ça, j'ai jamais compris pourquoi Nintendo a sorti les boîtes en carton. Enfin bon bref, ça c'est une autre histoire. Là, je suis super content. J'ai réussi à le trouver. Donc, euh, pareil, sur le bon coin. Euh, je me suis un petit peu pris la tête. Alors, par contre, avec le vendeur, euh, j'ai essayé de négocier comme tout acheteur fait sur le bon coin euh, eBay ou autre. Alors, on essaye tous de négocier un peu. Donc là, il a été un petit peu. Euh, alors, pas mal honnête, hein, euh, il a le droit de ne pas baisser le prix, etc. Mais bon, il a été un petit, peu, un, ouais, un, un petit peu rude, un petit peu dur quand même. Donc, euh, vu que je cherchais ce jeu, effectivement, il y en avait d'autres, un petit peu plus cher. Donc, euh, pour économiser. J'ai essayé de négocier quand même, voilà. Euh, mais j'ai réussi à l'avoir quand même. Après, on en a rediscuté, et puis maintenant, on en rigole. Le vendeur a été très sympathique quand même, je tiens à préciser. Voilà. Euh, et puis voilà, donc euh, ce jeu-là, je ne compte pas l'ouvrir non plus. Je compte le garder donc dans la collection de mes jeux DS, qui n'est pas énorme, énorme. Hein. Euh, par contre, les jeux DS que j'ai, je les ai tous faits, tous finis voilà c'est quand même quelque chose de rare parce que des fois des jeux que j'achète et que je et non enfin je joue avec mais je ne finis pas tout le temps les jeux enfin comme peut-être beaucoup mais bon voilà euh, donc ça c'est un excellent un excellent jeu d'après les tests que j'ai vu euh, voilà euh, déjà euh, ça me... enfin voilà le 1, le premier Golden Sun sur GBA était très très bien un, un petit peu dur un petit peu dur vers la fin euh, le deuxième ça a été un petit peu pareil très très bon aussi excellent jeu je dirais euh, j'espère qu'un de ces quatre je sais que la 3DS est un petit peu, un petit peu morte, on va dire, hein, mais j'espère qu'ils en sortiront un sur la Nintendo Switch, que je pense que je m'empresserai de prendre pour euh, la collection et pour y jouer. Voilà, donc euh, si vous ne connaissez pas, euh, franchement, allez-y les yeux fermés. Voilà, allez, et donc le dernier jeu, c'est un jeu qui rentre pour euh, la collection de. Bon, Nintendo GameCube. Euh, c'est un jeu que j'avais pas, euh, qui me manque, enfin voilà. Et un excellent jeu, donc qui est Super Mario Sunshine. Voilà, je l'ai alors je déjà sur la Switch, euh, mais je le voulais sur le sur le GameCube pour voir un petit peu la différence. Alors il faut savoir que je suis équipé d'un d'un carbi, donc un adaptateur HDMI pour brancher sur une télé euh, une télé euh, mm -hmm. LED, enfin LCD, LED, voilà. Et euh, donc pour voir un petit peu la différence. Donc euh, je peux déjà vous dire que c'est... Du portage, euh, c'est sûr à 100%. Après, c'est du bon portage quand même. Euh, en tout cas, tout du moins pour Super Mario Sunshine. Parce que euh, ce qui est de, comment dire, de Mario Galaxy sur la Wii, et donc qui est sur, sorti sur la Switch aussi, et euh, de Mario 64, qui était le jeu de la Nintendo 64, et qui est aussi sorti en portage sur la Nintendo Switch. J'ai vite fait, euh, voilà, je voulais juste surtout voir Super Mario Sunshine sur la Switch et le pouvoir maintenant, enfin, et après, donc, pouvoir le comparer avec la, la Nintendo GameCube. Donc, ce que j'ai fait. Et j'ai quand même une préférence entre nous sur la version GameCube. Euh, voilà, alors, je sais pas pourquoi, mais voilà, graphiquement, c'est un peu plus joli sur la Switch. Mais j'ai quand même ma préférence sur euh, sur la version GameCube. Voilà, donc, c'est tout pour euh, cette, ces achats du mois. Donc, hop sont de bons achats pour moi. Alors il faut savoir que je ne suis pas un... Comment dire Je suis pas un gros collectionneur encore. Euh, je ne cherche pas non plus à faire des full sets comme beaucoup de collectionneurs le font. Je cherche, comme, comme à mon habitude, des jeux auxquels euh, j'ai joué plus jeune et des jeux auxquels j'aurais souhaité euh, jouer ou rejouer. Euh, donc c'est voilà euh, comment dire, la politique de ma euh, collection. Voilà. Donc, je vous remercie. Euh, N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce. Partagez, partagez, partagez. Surtout, euh, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et lâchez le petit pouce qui est bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire constructif de préférence. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut, salut